Sur ces images amateurs, la scène semble apocalyptique. Lundi soir, vers 20h30, un incendie ravageur s'est déclaré sur 3 autobus dans un quartier pourtant réputé calme du Moule. Au réveil ce matin, le conducteur de l'un des engins n'en revient toujours pas. J'ai garé mon minibus au lieu habituel ici, comme d'habitude, tous les soirs à 19h. Et ce bus-là, ça n'était pas encore là en fait, quand je me suis garé. Et après, ce bus-là, ça il a pris feu en premier et il a propagé sur mon minibus. On m'a appelé hier soir en me disant que mon bus a pris feu. Et je suis allé chercher un autre pour pouvoir faire le transport d'élèves ce matin. C'est ce matin que j'ai vu qu'il y avait. Que j'ai constaté les dégâts. Le propriétaire, quant à lui, s'interroge toujours sur les causes de l'incendie. Il n'a pu ce matin que constater les dégâts. C'est une voisine qui m'a appelé derrière. Elle m'a appelé pour me dire: Roger, il y a du feu dans un bus. Mais je me suis dit: peut-être un petit feu, un petit truc. Quand je me suis réveillé, il y avait du feu, sérieux, il y avait du feu. C'est pas si c'est un problème électrique, c'est quelqu'un qui avait du feu, je peux pas vous dire. En plus des autobus, le véhicule personnel de l'homme a aussi été touché. Ce professionnel de la route est aujourd'hui piéton. Ben, la voiture est boudée. La voiture n'est plus bonne. On ne peut plus rouler avec ça. Si par miracle, aucune victime n'est à déplorer, les voisins se seraient bien passés de cette scène d'horreur. Sur les 8h30, on était dehors avec mon fils de 15 ans. On n'a rien vu. Et entre 8h30 et 9h, j'ai entendu des bruits. Il y avait des déflagrations. Ma femme est sortie. Et elle m'a dit qu'il y a beaucoup de flammes. Et on a vu... De l'autre côté des bâtiments, il y avait de grosses flammes et beaucoup de fumée. Et donc les autres voisines nous ont dit que c'est des bus qui étaient en train de brûler. Il aura fallu l'intervention de 14 pompiers pendant près de 4 heures pour venir à bout du sinistre. Une enquête a été ouverte pour déterminer l'origine criminelle ou accidentelle de cet impressionnant incendie.